Mesdames et Messieurs, go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui l'aïe qui côté, n'a pas gardé et recevra la tranche et émission ça. Jeudi samedi, qui c'est 5 août 2023, c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous capables d'informer. Quelques grands points qui pourraient le faire essentiel journal là, eh bien, gagné ancienne première dame Martine Moïse, eh bien, qui gagne pour al répondre question. Et sous dossier assassinat, maître Montferrier Doval était connecté. États-Unis, by Ariel Yon Sabot. Ariel prend Yon Sabot, mais Zimachuel était connecté, mesdames et messieurs. Et selon Imler Rebu, colonel Imler Rebu, et bien, est assemblé Kenyan, yo, ou bien, et qui vient pour venir en Haïti, à là, il a supposé marcher avec. Tout ce que yo. En tout cas, restez connectés, mesdames et messieurs. Pays yo a multiplié de jour en jour. Tout pays qui t'a voulu aider Haïti combattre insécurité a gagné un autre pays là qui est offert tête li. Yon l'autre bord gagné un petit monsieur qui dans le département la Tibonite yo qui continue à mettre des danger population. Et c'est gros causé dans la République. Restez connectés, mesdames et messieurs. C'est quelques parmi grands points qui pourraient le faire essentiel journal là pour journée samedi 5 août 2023. Pas rater un épisode et nous porter en pile information pour vous. N'a pas un petit pause, n'a pas retourné. Parler de tous les problèmes culturels, sociaux, économiques et politiques, le rendez-vous est unique. Tous les jours, Messac News. Messac News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Voilà, mesdames et messieurs, si vous êtes un monde qui remet information, qui remet tendez ce qui a passé dans le pays d'Haïti, dans tous 10 départements pays d'Haïti, vous avez intérêt pour abonner avec Chanel ça. On a commencé avec dossier ça. Après population Lankwa te fin by 6 bandits et gang Savien yo Bois-Calé 29 juillet passé a et bien bandi nan Savien yo envahi Lankou hier vendredi a et massacré 3 moun pou pipiti. N'a rappelé tout moun ke Lankou gen plus passé 6 mois là depuis policier pa jamais met prend pied yo. C'est yo population qui abandonné pour compte yo, mesdames et messieurs. Nation haïtienne a crié départ ancien président cour cassation, ancien président provisoire 2004-2006 qui s'est maître Boniface Alexandre. En tout cas, nous dit condoléances à et famille et ancien président Boniface Alexandre. Washington, mesdames et messieurs, eh bien, les États-Unis a poursuivi une approche compréhensive par rapport à l'effort qu'a fait pour voyer une force multinationale en Haïti pour aider la police nationale à gérer les actes de violence, gangio et puis rétablir la sécurité. Eh bien, mesdames et messieurs, selon le secrétaire d'État adjoint américain, qui c'est Barbara pour Affaires Caraïbes, a parlé avec un journaliste qui fait un reportage sur Haïti pendant une rencontre virtuelle. Vendredi, hier vendredi, qui c'est 4 août là, fait qu'on est États-Unis entendre ni à ce que force multinationale là pour des changements rapides dans l'insécurité qui a tracassé Haïti depuis longtemps. Et bien, mesdames et messieurs, et Barbara dit nous, les États-Unis parlent pour introduit une résolution devant Conseil de sécurité des Nations Unies sous force multinationale pour Haïti. N'a pas rappelé que États-Unis occupé présidence conseil là pendant mois d'août là. Eh bien, les journalistes ont demandé si États-Unis pas peur pour yo bloquer résolution dans Conseil de sécurité. Eh bien, madame nan répond que États-Unis optimiste, ça veut dire États-Unis croit et que Américain pourra continuer travail à permettre communauté internationale là pour assurer que résolution passée les faire remarquer que renouvellement mandat Bénin de recevoir approbation unanime dans Conseil sécurité à dans mois juillet qui s'est passé là. Yon autre bon, mesdames et messieurs, concernant force multinationale qui vient pour entrer dans pays d'Haïti, gagne yon l'autre pays là qui offre tête li c'est qui répond présent et qui prêt pour voyer des soldats selon un journal jamaïcain qui est premier ministre pays ça dit déjà prêt pour lui capable voyer des soldats sans qu'il ou pas précisé combien soldats il voulait voyer dans pays ça. En tout cas, mesdames et messieurs, n'a suivre
parce que il y a plusieurs pays là qui prêt qui dit au prêt pour yo capable aider pays d'Haïti sorti dans volume insécurité lié journée jodi a. Et bien mesdames et messieurs, nous connaît monsieur Montferrier Doval lui-même qui était perdu la ville 28 août 2021 et déjà gagné 3 ans côté la justice pour que j'aime ka joine moun qui te commet zak sa. Et bien yo rele Martine Moïse, et bien mesdames et messieurs, qui c'est ancienne première dame pays d'Haïti. Et bien mesdames et messieurs, yo convoqué Martine Moïse d'une façon pour la répondre question sous dossier maître Montferrier Doval. Et bien mesdames et messieurs, j'aime te dire non, les États-Unis râlé oreilles Ariel Henry par rapport avec madame Barbara lui-même qui lançait un appel by gouvernement Ariel Henry pour yo élargir un consensus politique avec parti politique yo et puis société civile yon façon à ce que yo capable réaliser élection après que condition sécurité pays a fin stable. Yo mandé pour Ariel Henry faire ça le connaît pour lui organiser élection dans pays a parce que yon pays pas ka fonctionner sans élection. J'aime de dire non, selon colonel Ibrahim Rebi, mesdames et messieurs, li mandé pour 1000 policiers kap soti dans pays Kenya yo tout marché avec ce que yo en babra yo. An koute colonel là pour plus détails n'a pas tendé pour qui raison colonel Imler Rebu fait déclaration ça dans micro journaliste Louko Désir et Likner Désir. Mesdames et messieurs, bonne audition, pas oublier que sous channel Message News, yon chaîne qui toujours présent quel que soit côté information yé, nous pas chercher le côté ba vous dans bon timamite. Si Kenya ou vini, je vais marcher ça gayo. Pile cercueil pour retourner la caillou. Oui. Aïe aïe aïe. Mais ça n'a pas dit matin. Parce que là, c'est là qu'il a fini. En pile cercueil, il a mouru par bandit par paquet. Ok. Colonel Imler Rebu, Bahamas pour mettre 150 policiers pour Haïti pour venir combattre gang. Kenya lui-même, le nom de marche, lui proposer tête lui pour prendre leadership donc une éventuelle force multinationale pour Haïti. Et tu as déjà conclu que tu es capable de venir avec 1000 policiers. Qui ça Kenya capoté donc non démarche pareil. Bon, nous sommes pays côté situation à vivre là tellement fait mon souffri. N'importe qui vent souffle qui dit que tu es capable de venir dans une solution grand pile monde qui prend plus l'espoir. Pas oublier que les États-Unis connaissent très bien nature vraie bandit qui en Haïti. C'est bien. Et peut-être ça ne fait pas fini. Et c'est ça qui fait dès le départ de nous, il pas fini. Parce que vrai bandit, ce n'est pas les roues qui sont dans la rue après tirer, pour le kidnapper, etc. Ouais. Non. Ça aussi des petits travailleurs. Vrai monde qui concevoir infrastructure banditisme nous gagne là. Et Américains connaissent. Et Américains ou Canadiens ont venu tout. Ils n'ont pas venu. Maintenant, il y a le Kenya. Pour tout ça. Quand le Kenya a traversé le président Ruto, a traversé une crise qui est similaire à la crise où le président Jovenel Moïse a passé dans le dernier moment avant de mourir. Tête chargée. Il y a une grosse négociation difficile. Le président Ruto fait une bonne affaire sur le plan politique. Mm-hmm. S'il accepte le job, ça, licencié par rapport à l'opposition kenyenne, il y a un code d'appui américain. Exactement. C'est un coup, Jovenel Moïse qui était viré d'Ovaï, le Venezuela, et juste pour jouer le support des Américains. Exactement. Très bien. En même temps, tout. Par rapport à la situation économique difficile qu'il a traversé, ça permet de faire une petite transaction qui permet de gagner de l'équipement et accès à une série de l'argent. Correct. Le Kenya a accepté parce qu'il a fait une transaction à la fois économique et politique. Très bien. Maintenant, derrière tout, il y a beau et 1000 policiers qui ont fait un travail de reconnaissance. Ils n'ont pas pral engagé sur le terrain de détruire Bandi, c'est pas vrai. Donc militairement, ils ont travaillé de reconnaissance, le Tigisa. Non,
ou pas jamais monter opération sans pas faire reconnaissance. Oui, ça veut dire ça. Ou reconnaissance, ça veut dire que vous gardez terrain. Mm-hmm. Parce que vous pas capable d'évoluer sur un terrain qu'on ne connaît pas. Vous gardez topographie terrain, composition sociale espace là. Ok. Par exemple, vous avez un bandit. Mais qui est un bandit caché, qui est bon, qui est bon, et évolution. Yo. Et l'un des deux films fait travail de reconnaissance, là. Si vous faites bien, vous pouvez tomber dans le dilatoire jusqu'à ce que vous ne venez. Ok. Et sous le Kenya, vous venez, vous grandissez, mais Christian fait le mot Liliane qui fait pas sortir parce que Libye n'est pas un tempo politique là. Bien, 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 bien. Nèg yo fait pour prévoir un pile cercueil de budget et y a côté. Oui, bon, pour moi, si Kenya est venu, je vais marcher à cercueil. Un pile cercueil pour retourner la caillou. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais ça n'a pas dit, Mathieu. Oui. Parce que là, c'est de là qu'il a venu. Un pile cercueil. Il a mouru par bandit, par paquet. Ouais. Parce que c'est bien ou pas bien comprendre le système banditiste qu'il a, son système banditiste qui a plusieurs étages. Si monsieur tout le monde est sorti dans la rue, c'est un gens qui a caché tirage manger et qui n'est pas très conscient. Vraiment, Dieu, c'est concevoir quadrillage ou est-ce que vous avez. Et c'est eux-mêmes qui gèrent l'argent et banditiste là. Maintenant, les États-Unis lui-même obligés de faire ça. Bien. Parce que si M. Kenya est venu ici, oublier qu'on bagage extrêmement important qu'il doit faire. Mm-hmm. Et plus quoi que c'est un projet ça que Ariel Henry est. Ariel Henry n'a pas voulu faire insécurité résoudre en Haïti. Comment il n'a pas intérêt? Il n'a pas intérêt parce que. Plus que plus insécurité, c'est plus que la capable de rester au pouvoir. Mais il besoin au tempo. Pour qu'on ait les gens aider à l'aider pour tout le monde. Oui. Il besoin de troupes pour venir pour mettre un café patrouille dans la rue, par exemple. Ou ils mettent une pile blindée qui fait un cadavre monter et descendre. Ok. Et puis ils fait deux trois machines passer. Et puis après les ouais, sécurité établie, circulation faite, nous avons fait l'élection. Eh bien. Américains ont besoin de ça pour protéger l'élection qui a fait la Kaïlia. Oui, en 2024. Ouais. Parce que avec dernière mobilisation qui fait, bagaille ou a passé Grégory tout ce qui fait. C'est bon bagaille inutile. Non, le bagaille inutile, non, du tout. C'est une démonstration de force liée et son bagaille qui allait en négociation directe. De vote haïtien pour Biden ou contre Biden. Correct. Donc, Américains ont un marché pressé, ils sont obligés de prendre une pause, ils ont fait un bagage pour Haïti. Mm-hmm. Et on va faire un pile cover en politique pour nous mettre Kenya vini et que la situation rétablie, sécurité rétablie, mais l'élection faite en Haïti. Très bien. Donc, le ça. Il y a bien appui pour pile haïtien aux États-Unis qui comprennent que la sécurité est établie. Et puis autre chose également, il y a Donald Trump, en fait, tout le monde connaît qu'avec Donald Trump, et situation pas facile pour Haïtien. Et face à premier mandat qu'il a gagné. Donc on a l'intérêt du président Joe Biden pour courtiser justement avec les Haïtiens, pour Haïtiens capables de voter pour les démocrates. Exactement. Mm-hmm. Maintenant, arrêtez ici. Et Ariel Henry a bien content pour courir faire élection pour le cabré mettre contre avec Diabla pour le cabré mettre Diabla pour voir. Correct. Chaque fois passe après, il n'a pas besoin de connaître. Bien. Maintenant, ça, c'est calcul pas. Mais terrain lui-même, qui j'en peux réagir. Parce que si Ariel Henry devait résoudre le problème de sécurité, les populations à Morsi Boakale, ça t'a fait. Il déjà fini. L'État fait ni le gouvernement, mm-hmm. ni la police, accompagner la population, je dis à nous tape chez un bandit pour faire les bêtes de madame. C'est vrai. Donc,
et où les brancalés a commencé, ils ont couru pour la disposition, ils ont dit mon nom, c'est pour remettre la justice dans la police. Ils n'ont pas dit pour la police accompagner mon nom pour le cabal vraiment dire. Donc, ils n'ont pas voulu résoudre le problème de sécurité parce que bandits, vrais bandits, bandits intermédiaires, qui ont baissé le téléphone, ils ont toute communication avec gros cabachef bandits politiques. Capitaine pour retourner venir en pouvoir dans l'élection ça. Eh ben. Et c'est ça qu'il faut, ouais, nous pas continuer à poursuivre gros bandits. Bon, le mot de gros bandits, c'est bandits intermédiaires. Oui, bandits intermédiaires, très bien. Parce que nous avons fait des vidéos, nous avons fait des c'est pas un vrai bandit. Vrai bandit ensemble avec Ariel. Et bandit à travers, c'est eux qui ont commandé des cartouches et qui ont transité à travers les frontières, les armes, les cartouches, et l'argent, tout. C'est eux-mêmes qui veulent bandir, c'est eux qui mettent business et les Américains la donnent tout. Ils la donnent tout, très bien. Très bien. Donc là, donc là, à faire Kenya, donc nous mettre de côté parce que il n'est pas clair jusqu'à présent. Non, il est beaucoup clair, nous allons trouver côté le beaucoup clair et qui analyse pour nous faire. Même si y a pour une force là, autant de les États-Unis, tout le monde font résolution ensemble avec l'Équateur, qui pourrait passer, qui boit devant le Conseil de sécurité. Maintenant, il ne faut pas analyser la situation haïtienne de manière isolée. Claire. Il faut regarder ce qui a passé en Afrique, qu'on y a. Ah oui, ah oui. Il faut regarder ce qui a passé en Afrique et la Russie. Même si le papa est directement, ça a passé en Afrique, il est bien content. Parce que ça a porté des embêtements à la France. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et la France, qu'on y a, a essayé, ouais, si vous êtes passé par en bas, faire CDAO à Pozozac au Niger, parce qu'il n'y a pas qu'à quitter la quantité d'uranium qui est au Niger là. Ah mais il y a perdu, parce que... Non, et pas, il y a perdu. Il y a déjà perdu. Il y a déjà 80% perdu. Perdu, c'est ça. Et Kounia, si ça au monde prend Vladimir Poutine pour faciliter la France, qui est en coalition avec les États-Unis contre l'Ukraine. Non, c'est clair. Le grand perdant, c'est la France. Donc, du point de vue politique, Poutine n'a pas qu'à faire, il n'a pas qu'à prendre, il n'a pas qu'à faciliter les États-Unis. Souvent, ça t'a fait, on t'a mis une gros négociation inimaginable qui fait en madame. Donc, c'est PIA pour la Russie. Donc, la Russie n'a pas qu'à quitter le passé. C'est bien. Bien que l'on affaiblisse un capoté dans la Ukraine, très clair, mais Vladimir Poutine a bien intérêt à accélérer tout le bagaille qui passe en Afrique parce que il compte intérêt la France. Et si il compte intérêt la France, il compte intérêt les États-Unis, tout parce que les États-Unis coalisés, la France coalisée avec les États-Unis, compte intérêt et Russie. Très bien, très bien. Donc, résolution, ça n'a pas passé devant le Conseil de sécurité, même si vous avez des blagues, c'est une blague à vous raconter. Maintenant, il faut une résolution d'abord. Et même si le Kenya a voyé les gens ici vraiment, pas oublier que la police kenyane a 100 000 hommes là-dedans. Ok. Ils sont sur le front actuellement en un conflit politique qui gagne. Et c'est la police la plus brutale qui gagne qui a fait exécution sommaire tout le temps que l'ONU lui-même a mis sur le banc des accusés. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là nous décidons de mettre un bout avec l'émission pour journée samedi 5 d'août 2023. Nous disons bon week-end à tout le monde qui branché, quel que soit côté où il est dans le bout de ça. Et ou même qui aux États-Unis, Canada, Chili, Brésil, ou même qui en République Dominicaine, bon week-end. Pas oublier, mesdames et messieurs, si vous avez pas conduit, si vous avez conduit pas boire, week-end ça belle, avez l'autre week-end qui est plus belle toujours. N'allez pas oublier, abonnez, likez, partagez. À la prochaine.